matin, sénateur Youri Latortu. N'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Guerrier, bonjour Bob et bonjour à tout auditeur, auditrice Radio Caraïbes, tout ça capte de nous dans le pays et quand vous capte de nous sur tous les réseaux sociaux. Je salue spécialement tout auditeur, auditrice dans le département de l'Artibonite. Dernièrement là, au dernier jour ça y est, ou font sortir par rapport à l'actualité, hein, nous connaissons qui c'était attaque qui fait sur cortège président République là, d'après ça y est, fait sortir dans un communiqué et ou même ou t'es fait partie de cortège là, ou sans doute bah une version qui est différent de exécutif là qui ont même parlé même de actes terroristes, voilà que ou même ou considéré le temps court ils ont un simple acte de banditisme de sénateur la tortue. Non, pas quoi que conversion on a dit qui est différent, non raconter fil l'événement yo. Dans le sens que nous t'es au niveau de cortège là, nous dit que justement gagnait en pendant que on a venu gagnait en bus que on mettait sur route là. Et ça a été forcé que sécurité descende pour yo libérer route là, retirer bus là, prendre les dispositions qu'il faut pour te faire protéger la passer. Et qu'on y a à partir de ce privé, nous te font notre soutien dans le Sénat, nous dit que l'inacceptable. Justement cortège a circulé pour qu'il y ait des monde qui pour son bus, qui pour barrer route là. Donc, nous raconter l'événement, j'en ai passé, d'ailleurs, nous t'es là et nous dit que le fait est inacceptable que, un président qui est élu, cap circulé et que, justement, qui, à un certain moment, de cortège là, t'es poussé en bus pour t'es bloqué et cortège là. Donc c'était un fait exprès et pour mettre bus là dans la rue en ce fait, t'es bloqué la rue, c'est oui, encore. C'était un fait volontaire du ZP pendant que cortège là a privé, que justement t'es poussé bus là, il était visible que tout le monde qui était machine là était carré ça. Et après ça qui passé, le policier au sécurité au descend, traversé espace là sans problème, pas gain roche, pas gain bouteille, pas gain zame qui tirait. Et les policiers ont pris la disposition qu'il faut pour justement retirer le bus là, fouiller suspect qui était bon, garder attitude pour essayer de pas gagner rien sous yo. Et à partir de ce moment, ils ont libéré route là. Certains endroits que ont arrivé qui étaient suspects nous ont rampé, ils ont refouillé et ils ont même ils ont pris la disposition pour faire passage. Et ils retournaient avancer, nous t'ai arrêté deux ou trois fois avant que nous te reprenions route là normalement. Et donc vous pensez qu'il y a peut-être une exagération dans le mot qui est utilisé bon côté de la présidence? Bon, moi-même, comme pouvoir indépendant, pas là pour napper et justement garder mots qu'ils utilisaient. L'essentiel sont actes nous-mêmes nous qualifier inacceptables. Et le fait que t'es barré protège là, alors que justement t'es en situation fluide avant. Donc nous simplement relater ça qui passait là et nous demander la police et justement prendre les dispositions pour que eh bien ça va arriver encore et également punir les coupables et prendre les dispositions pour que justement ils mènent devant la justice. Président, suite événement, yo pral mené avec diverses arrestations. On a parlé avec magistrat Kayen hier autour des questions ça. On a bien pour nous rejoindre encore et qui était même fait nous pas d'inquiétude les sous fête drapeau Anissa non à Kayen et gain même information que t'as laissé comprendre que gagnent yon moun qui arrêté tout dans cadre toujours dans événement ça qui c'était un ancien candidat en bas parti AAA. Et vous confirmez ça? Et m'apprenne ça, mais simplement n'a dit la justice et la police a fait enquête yo, quel que soit à côté mon associé premièrement, et li pas au-dessus de la loi. C'est la première chose. La deuxième chose, et Bob, si y'a un monde qui est victime dans la question Arcaïen, les sénateurs la torture, parce qu'à aucun moment.
moi bah je m'entrer dans différents ça et vous à chaque fois vos manifestations sur route ça premier ça et manifesteur écrit c'est Abba sénateur la tortue alors que moi bah j'aime rentrer dans conflit là étant donné que comme sénateur de la République t'es grand problème qui t'est posé entre deux communes. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut trouver une entente. Et le décret a été sorti pour une fois dans le monde qui demandait pour que y ait une entente qui était faite pour que deux communes qui vivent en paix. Mais malgré tout, et l'autre jour, j'étais étonné pour moi, tout bus qui a passé Gonaïve, il était écrit sous yo de Akaye. Donc, c'est-à-dire que moi-même, personnellement, moi t'ai visé et nous t'ai retraite que nous avons fait au niveau de Montoui et au mois de février t'ai gagné encore des altercations yo t'ai visé sénateur même pas j'ai fait aucune déclaration parce que moi c'est que c'est des monde peut-être qui manipulé qu'a écrit puisque dossier a dans le fait il pas mandé ça mandé on chit attendez entre deux communes pour résoudre donc moi crois que dans situation ça et il faut garder une attitude d'homme d'état pour que nous dit la police et fait toute enquête li et punit les coupables nous demander pour que la paix qui régne entre deux communes et que disposition faite le plus rapidement possible pour que justement évidemment ça yo pas produit parce que garder pour des business et des entreprises qui voient et pour faire des travaux en province yo bouler machine yo des monde qui victime machin tablette qui gagne de l'heure fait combien de jours il va prendre moi quoi que son situation inacceptable faut non pas mettre l'huile sous du feu essentiel faut non pas envenimer le tout et moi quoi que la police est tête frette de enquête dit exactement ça gagne et pour et au niveau politique également il faut que une réunion je t'attendais qui fait pour joindre une solution apaisée pour que deux communes de vivre en paix Akaye et Mori et que nous pas dans situation à chaque fois que route bloquée d'ailleurs ou bien toute plage qui et bien ça qui dans la Tibonite bien ça qui dans l'ouest et bien le plus souvent le que activité de fin de week-end et ouais et bien grand pile problème des touristes qui peut et situation ça que ce soit au niveau le président de la République là qui est bloqué et protège lui que ce soit au niveau de plage que on a dit entreprise touristique là prend coup moi crois que le plus rapidement ça nous est toujours prôné et ça nous prôné à tout acteur qui l'a eu nonobstant le fait que accusons mon ou pas accusé c'est pas voilà le problème et ça qui est important il faut trouver une solution et la police doit faire enquête lui tête frette sans passe pour qui et sous motivation secteur ou groupe ou bien individu qui t'a voulu à chaque fois un mouvement dans la carrière yo épinglé ou écrit non qui s'acta à la base est-ce que c'est parce que vous t'es conseillé président Martelly dans moment que vous t'avez venu avec arrêter ça ou du moins est-ce que yo épinglé ou c'est tenu compte des proximités département Latibonite gain avec Mouri Saint-Marc et dans sa gain rapport avec question des limitations qui s'acta à la base ça sénateur Pour, premièrement, c'est acteur qu'on a demandé, parce que moi, par exemple, j'ai chance, occasion, par la veille, puisque moi, personnellement, t'ai dit, faut qu'on s'y attendait, même pas de chance par la veille. Mais moi, je crois que, l'été clair au début, t'es gagné, une grande volonté de la part de tout antibonicien pour que mon oui ait été une commune. Et c'est gain Montoui et gain Liancourt qui c'est deux quartiers au niveau de l'Antibonite depuis longtemps et Liancourt même en 1980 était presque une commune déjà et yo était rentré et arrêté à sous président Aristide et qu'on y a, vous que il y a possibilité pour devenir commune. Le grand problème qui était posé c'est que la commune n'a pas en question de limite territoriale qui était posée et le samedi on a premier monde qui t'a dit que il faut que eh bien il y a bien assez haut pour que les Montoui qui viennent commune n'ont pas nuit commune à Kaye et on te reprendre et arrêté à décret côté que il était justement replacé donc moi-même personnellement c'est depuis le ça toute question terrible et on a voix qui t'a demandé à ce que justement Montoui vienne commune que c'est pas on bagaille que moi a dit qu'il fait paraître son lutte qu'a mené depuis longtemps et nous t'es dans Sibonite à ce que nous gagnions en commune en plus qui va permettre nous mieux administrer ce territoire ça mais la question de limite géographique était posée et nous demandé à ce que commune en Kaye gagne espace
que li doit gagner. Donc dans ce sens pour nous c'était un problème qui était résolu et là le vin reparaît encore. Écoutez, moi j'étais plus étonné d'autant plus que en cahier te vin gagner qu'on est à député qui a soulevé problème là dans l'espace parlement et qui était capoté problème là dans assemblée si tu gagner un problème pour nous résoudre parce que là ou gagner représentant qu'on est au départ à cahier pas de député mais là gagner député député a gagner droit soit en commission permanente soit avec le bureau poser problème là pour résoudre ça que nous pas besoin aller directement. C'est la route là. D'accord. On connaît plusieurs sujets pour nous aborder avec vous. Et pour nous finir avec le sujet attaque cortège présidentiel, là, deux questions. Comment, selon vous, cortège là fait arriver dans la zone barricade là, pourquoi monter dans le cortège là, on va dire, est-ce que vous êtes arrivé prêt? Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé, côté, comment, advance, côté Yotéye, qui fait que cortège présidentiel là, en lui-même fait arriver sur barricade là. Et l'autre question, à tout répondre, c'est le monde qui a essayé ouais là dans sac passé hein, comme on va planifier de pouvoir là pour qu'il soit capable de contrôler la police là. Et comment faire arriver premièrement sous barricade là? Moi pense que justement dans le sens ça arrivait à ce que l'on quitte mon oui ou descendre vers la CAE, je pense que ou après route là li tout droit et kokawe presque sur 1 km 2 km et moi c'est dans espace ça à côté nous là que justement cortège là qui gagne motocyclette devant qui gagne lead car qui gagne tout ensemble de machines yo et bien yo nous ouais que gon bus que yo poussé c'est-à-dire que et c'est pas en route qui gagne en pile courbe c'est en route qui longue que okawe exactement et activité qui tout lui et me pense que bien avant que cortège arrivé il était environ 1 km yo campé justement par rapport à bus sale poussé à haute ouais à en distance qui bien loin maintenant à savoir que son bail qui planifié et pour que justement pouvoir réagir là encore je pense que c'est la police qui pour faire enquête li et dans niveau ça puisque nous-mêmes c'est ça nous ouais que nous dit et par rapport à cortège là qui t'a déplacé je crois que KS en zone qui pendant époque ça a été gagné certaines difficultés est-ce que ça arrivait par des groupes est-ce que son manipulation écoutez la question est à l'institution qui doit mener les enquêtes c'est la police qui doit faire et moi crois que je dis et c'est peut-être ça faut la police gagne toute liberté dans tout ça qu'elle a fait pour que de façon neutre il fait enquête là et il déterminer mon qui coupable bio ou bien il déterminer eh bien qui sorte d'actes qui était posé par rapport à enquête là et donc dans ce sens ça moi crois que il revient à la police et justement de mener les enquêtes en toute sérénité et en toute neutralité. Très bien et merci pour l'autre sujet bon vous dites dit là pour qui ça mon sénateur pour qui ça c'est cool. Les bas version ça donc c'est mes côtés de réagir depuis avant le fait antépassé hein. Nous avons réagi, t'es qu'on note de presse qui était sorti, sous question, nous avons déterminé exactement ça, nous avons qualifié, et nous avons circulé, et nous avons une interview sous ça tout, et peut-être pas dans Radio Caraïbes, et immédiatement le lendemain, nous avons posé une question sur lui, et nous avons toujours bail, même version, et nous pensons que c'était, et pas le mot, et de parler en pile, puisque la police a enquête pour le fait, et qui peut quitter, la police justement fait enquête li par rapport à ça qui passait. D'accord, on prend l'autre dossier, c'est question Menostar qui pas change de nom mais et quand même yo conseil sécurité hein, prévoit pour quitter soldats quitter territoire là et gagner une autre force de police pour remplacer li et comment ou juger ou interpréter décision ça. Et Magin pour me venir tout avec de l'autre monde qui a parlé quoi ancien directeur général Mario Andrissol dans la police là nous qui en position n'a venir sur ça tout à l'heure mais d'abord comment on comprendre décision ça pour retirer soldat yo mais quitter sous place une autre entité moi quoi que si nous gardons à lieu au ministère pendant 13 ans et n'a comprendre que ministère est justement inscrit
dans une sorte de continuité, mais dans l'indifférence. C'est-à-dire que au Gaminusa qui a une mission justement au et mettre stabilité dans le pays. Alors que, vous comprenez, après 13 ans, au cas dit simplement, et c'est la première étape-là qui fait, c'est-à-dire peut-être le calme qui est revenu, mais l'institution qu'on y a, qui vous mettez sous pied pour qu'il y ait justement la sécurité, pour qu'il y ait la stabilité, nous, le ministère, a gagné un rôle pour le aider. Premièrement, nous, ouais, que le ministère n'a pas aidé la DAO, puisque, en nous gardant, et question là. Et il y a près 13 ans, et environ pour former, et ouais, le ministère, en 2004, a gagné environ peut-être, a gagné 5000 policiers, a gagné un pile qui part là, qui t'a quitté, ou t'a révoqué, a gagné environ 3000. Nous, gagné, 13 000 policiers qu'on est à, il y a environ 10 000 qui en plus. Ça veut dire que le ministre après 13 ans pour le former et 10 000 policiers, alors que moi je dis si le ministre a toujours demandé pour être ouvert 3 centres de formation, il y en a dans le nord, il y en a dans l'ouest, il y en a dans le grand nord, il y en a dans l'ouest, il y en a dans le grand sud. Et moi c'est que si bah, nous avons formé dans 4 ou 5 ans, c'était 3 centres de formation et immédiatement la police qu'on est à TK gagner au moins 20 000 monde qu'on y a. Deuxièmement, et le ministre compte bien qu'on la police et l'armée complémentaire, et dans certains pays que les Nations Unies et Libéria a aidé ou fait l'armée. Et nous regardons ici, le ministre n'a pas aidé ou fait, et il compte question même, et il y a une institution qui est toujours presque campée pour que même le président ait volonté pour qu'il empêche fait à cause de réalité de force qui est souterrain. Donc ça veut dire que gagnons ni il pas formé bien, gagnon que l'y empêche formé, et puis après, pour aller, et pour le quitter, justement, en mission, et peut-être après créer situation, même pour le retourner. Donc moi, je crois que situation, ça, vraiment inacceptable, si que, je dis à, au niveau de l'exécutif là, pas gagné des dispositions qui prend ou que ils renforcent la police là, les plus professionnels, ils mettent sous pied l'armée de métier, ils mettent un bon service d'intelligence. Moi, je crois que au niveau sécurité, déjà, à avoir gagné des problèmes. Donc, moi, je crois que l'exécutif et le parlement doivent prendre les dispositions et pas reculer devant toutes dispositions qui sont annoncées dans la feuille de route. Au niveau de la justice, moi, je pensais que pendant depuis avant MINUSA, depuis 94, Nations Unies a dépensé un pile cob dans la question justice en Haïti, a parlé de justice, a parlé des droits de l'homme. Là encore, vous songez, trois lois qui étaient votées au niveau du Parlement, c'était une bataille que personnellement moi-même m'a été fait avec MINUSA, puisque vous pas voulez indépendance là comme ça, il était plus voulez on va gagner plus ou moins noté qu'a dit qui semble indépendance qui pas indépendance, c'était en pile bataille pour nous voter trois lois ça yo. Et après tant ça aide yo bay la justice là dans organisation CSPJ dans l'école magistrature, il était en aide donc a dit superficiel côté que jusqu'à présent nous ouais en dans tribunal yo et valé grand pile budget qui était alloué à ça, mais nous ouais que justement la justice était sous compte budget strictement budget et l'État haïtien, et nous voyons que en pile tribunal dépourvu de moyens malgré nous avons fait effort pour nous augmenter comme juge, pour nous ouvrir l'école là, et au niveau de loi que nous prenons. Mais après ça, moi qu'a dit pas de gros accompagnement qui fait dans la question de la justice. Donc si pas de accompagnement qui fait, ou avez une différence dans la question de la de l'homme là. Donc là où mettez tout bilan ça en jeu, ou est que bilan li mec et des dispositions qui prennent pour que nous recommençons en même bilan ça à travers un autre projet et un autre nom. Donc moi, quoi que je dis, et en tant que président du Sénat, et que le grand chita qui doit être avec le président PIA, président CSPJ, pour nous vraiment prendre en main la question de la sécurité, pour nous vraiment prendre en main la question de la justice, et reconnaître que justement, nous devons renforcer l'institution SAIO de façon à ce que pour nous arriver à joindre vraiment stabilité. Mais si c'est avec MINUSA, moi je pense que vraiment nous allons recommencer en l'autre 13 ans, en l'autre 15 ans, en l'autre 20 ans, et nous quand même recommencer dans une situation et encore
qui pas bon côté que on va l'obliger faire appel encore à Nations Unies et parce que le Sahara n'a vienne tourner vraiment l'arrivée et du monde l'arrivée donc on pense à chaque fois donc c'est la tortue n'est pas seulement pour n'a dit que la police nationale n'est pas prête pour assumer mais faut gagner de dispositions qui prennent au niveau l'État en lui-même pour renforcer la police là. Oui, il faut une disposition qui est des dispositions nationales, puisque nous, ministre, lui, avant que il prenne une décision, ça, il rencontre à tout le monde, nous expliquer exactement à responsable ministre qui est là, secrétaire général adjoint des Nations Unies, mes problèmes qui posaient, mais comment pour nous aborder des questions de façon pour nous coopérer, pour nous arriver vraiment à permettre que Haïti justement gagne stabilité. Mais écoutez, bah, c'était un monologue puisque yo simplement la pensée peut-être qui était préparé déjà, eh bien c'est lui qui au lit et adopté entre eux sans vraiment tenir compte et ça que nous dit et me penser le ça et me dit déjà et à ministre si vraiment yo pas coopérer, il revient aux autorités nationales de trouver un minimum pour que il y ait stabilité d'institution. Sinon, l'institution est très fragile. Et ben, c'est juste au niveau du Parlement, un peu l'effort qu'a fait pour que nous renforcions la Cour de cassation, le protecteur du citoyen, et je vous dis à nous joindre à côté de l'effort légal ce qu'a fait. Oui, ça qui était doué, s'il voulait aider vraiment dans la justice, ouais, comment, il y a qu'à mettre des structures, mettre des matériels qui va permettre que cours ça, justement, il prend des décisions appropriées, sous pas, si il y a un élément légal, pour pas structurer, pour pas mettre des technostructures là, pour cours, comment faire parler de droits de l'homme, puisque à partir de la justice, ça, c'est là, ça a des dispositions qu'après, justement, pour protéger, pour que la justice, la vie, les neutres, les prennent des décisions, les chercher équilibre. Mais si, ce qui vous fait là, eh bien, et malgré 13 ans, il n'est pas renforcé, eh bien, on va voir que l'objectif que vous avez essayé d'atteindre, non, eh bien, on va porter non, mais en général, l'abjus, on non, mais le pape juste est applicable dans la réalité. Bon, moi, li pour Texa, que moi, se voit de yon soldat, ou bien officier, jeune qui t'a le prend formation et équatorio en tant que président Sénat de la République, là, et même l'on t'y casse long pour nous capables, puisqu'on a parlé de sécurité et pour qui ça qui empêchait que monsieur ou bien jeune Sayo yo utilisé yo pour capable permettre que question sécurité hein, les plus ou moins pas rétabli mais mettez plus ressources hein pour gérer question ça. Il dit que dans l'année 2012, yo t'ai voyé 8 officiers pour t'aller prendre formation en Équateur, yo passé 4 ans, yo rentré en 2016. Tout de suite après 2012 dans l'année 2013, yo voyé 40 jeunes garçons à l'Équateur et yo passé 8 mois côté yo t'ai à l'apprendre génie militaire, yo apprendre nous descendre en parachute, sauver mon nom de l'eau, tirer, conduire engin l'eau, purifier de l'eau et faire explosif, survivre dans la forêt pendant plusieurs jours sans manger, nous former même déjà tout militaire en Équateur. De 2012 à aujourd'hui, toujours voyé jeune à prendre formation, nous au nombre de 175 soldats sous territoire national là, sans travail, sans rien, et pas banon pour nous faire, avec un salaire le mois qui pas même régulier, et journée jodian gagnent yon instance qui pas gagnent yon instance qui j'aime dire nous rien sauf l'armée yo di a fait nous sans abri gagnent parmi nous qui marié qui gagnent petite nous former nous servir pour servir pays nous n'a demandé avec l'état haïtien pour yo capable encadrer nous parce que ministère de défense pas carré régler rien pour nous nous demandé avec cadre dans l'état même gens yo prend 8 non soldats qui sont équateur yo mettez yo dans USGPN et ben nous même nous rété n'a demandé pour l'état li prend nous mais pas anti zami mais pour dire yon mot pour jeune sayo qui ou même al prend formation et qui jodi an lagué avec tout ça rien comme formation sous territoire sans pas gagner yon instance vraiment qui encadre yo. Donc qui réaction comme président Sénat par rapport à situation jeune sayo? Moi je crois que jeune ça li bien expliqué situation. Et imaginons que on l'état côté que vous voyez formé, il y a environ 175 jeunes qui là et où est ce traitement ça au bayo et m'a expliqué de façon claire.
et moi-même comme président Sénat, moi j'ai demandé à ce que jeunes ça yo le 7 février puisque c'est des militaires que vous voyez, pour yo bail salut militaire à nouveau président. Eh bien, il était là, il était commencé entraîné à côté de parlement ou par radio et après un coup de fil, il dit que pas besoin de présentation. Et monsieur que était grand pile les complicités nationales et internationales pour que jeunes ça yo pas paraît alors que c'est des jeunes haïtiens qui formés qui ont même formation et puis bon formation que eh bien en pile dans officier soldat ministre yo qui là eh bien yo parlé que yo vini et à la dernière minute yo après l'insistance de jeunes yo que me présenté à sénateur yo que c'est des jeunes haïtiens qui là qui formé tout le monde formé d'ailleurs était en pile concours là était gagné question cyclone yo. Dans le Grand Sud, ils ont intervenu à Jérémy, ils ont intervenu au Cap, tout le monde était ouais, ils ont manipulé camion mieux que étranger. Et pourtant, à la dernière minute, ils ont été retirés. Et je pensais que moi-même, l'autre jour, dans l'interview, moi j'ai dit président Martelly, c'est une bonne volonté, mais à la dernière minute, il était reculé, qui fait que je n'y ai justement dans l'état ça. T'es un soutien qui était passé pour te recevoir dans le ministère de la Défense. T'es gagné. Justement, travail, base que tu dois gagner dans Tirivière, côté où tu es là, et président Équateur a vu plusieurs fois, il a quitté 15 millions de dollars de matériel, tu n'as pas l'ouvrir l'autre base Miragouane, c'est-à-dire deux bases qui ont été intervenues, soit dans le Grand Sud ou le Grand Nord, en cas que tu gagnes cyclone, en cas justement tu as besoin de sauver des vies et des biens. Malheureusement, nous voyons que quelquefois l'autorité nous reculait devant une décision nationale qui est bon pour payer. Donc dans ce sens, hein, moi, quoi que faut nous continuer insister et moi-même moi pensais que Wall Pam côté nous y est là c'est pour tes paroles là mais en même temps tout c'est encourager tous collègues à ce que des jeunes officiers soldats bien formés qui là qui n'a pas hier qui a travaillé qui a aidé et qui touchait beaucoup moins que peut-être un officier de ministère, peut-être Maroné, 10 fois moins ou 12 fois moins. Eh bien, nous, ouais, que, on veut pas le travail, là. Moi, quoi que je dis, faut qu'on budget, hein, faut qu'on budget, et qui mettait dans le budget rectificatif, là, pour jeunes, faut que, nous gagnons, et justement, un commandant-chef que vous désignez, et pour responsable, et puisque, justement, yo là, yo gagne statut militaire, pendant ce temps que y'a pas gagné un commandement approprié, et on doit utiliser justement, hein, et pour le corps du génie, puisque là, il y a déjà gagné matériel, c'est environ 13 millions de dollars de matériel que l'Équateur fait quitter dans la base dirigeaire pour juste ça, et y'a fait en pile intervention dans pile route, et tout le monde dans la zone connaît qui bien que y'a fait, et qui intervention y'a fait les gagnants cyclones. Donc moi, quoi que je dis à jeune, et dit, révéler en situation, moi je connais déjà que je dis à plus connaît et qu'il faut plus mobilisation bon côté population bon côté institutionnel et beaucoup plus de volonté bon côté dirigeant pour pas reculer pour simplement dans le respect yo appliquer constitution qui mandé et justement pour gagner en force armée qui pour gagner la police qui pour gagner service intelligence et pour gagner institution nationale ça yo dans la plus stricte neutralité yo fait travail yo et yo stabilité dans pays. Et nous voilà d'ailleurs un article devant là côté que dit président Michel Martelly pas respecter promesse li pour que pas respecter pour ah bon là il dit qu'il pas respecter promesse li pour le prendre un seul décret non songe il était un problème non le parlement était dysfonctionnel là mais il était prend un décret là il dit en conseil des ministres 9 octobre chef l'état avec gouvernement Evans Paul adopté décret qui portait organisation et fonctionnement ministère défense donc qui officiellement remobilisé l'armée d'Haïti qui était démobilisée en 1994 et il dit pour remplir mission le ministère défense disposer structure organisée dans forces armées d'Haïti qui prévoit l'article 5 décret ça et nous mêmes au niveau parlement est-ce que nous touché de nous gagnons décret ça et ou du moins est-ce que nous ouais déjà et feuille de route ministère défense là est-ce que question ça, les fait partie. Et justement, nous avons invité le gouvernement à venir présenter feuille de route. Et je crois que déjà, nous étendons dans la presse que justement la question de l'armée vient dans le ministère de la Défense. Mais nous voulons justement gagner un calendrier
d'application pour le ministère de la Défense, comment on va l'appliquer, comment on va le mettre dans l'exergue. Je crois que c'est une question nationale. Et je dis à tout le monde qui est responsable, que ce soit dans le Sénat, dans la Chambre des députés et au niveau national et au niveau exécutif, d'où ils prennent responsabilité, puisque c'est un calendrier d'exécution de la feuille de route qui le que n'a gagné. Encore de provisoire, qui est là que jeunes aïeux qui l'a, yo même, y a intégré yo, et dans la vie de la sécurité nationale, à savoir, soit pour protéger, et le territoire, soit maintenant pour intervenir, comme corps de génie, pour y entrer, pour y aider dans faire où, et pour y aider justement dans toute localité yo, dans toutes les routes agricoles. Moi, je connais que le président Jovenel mobilisé yo, pour que yo aidé dans vallée de l'Artibonite là, yo vin à camion, il va le mobiliser le 1er mai, mais cette mobilisation ça va durer de façon conjoncturelle, il doit de façon structurelle, il doit à travers le ministère de la Défense, il doit à travers des unités de défense qui va le camper pour aider le travail là au niveau de l'Artibonite, vallée de l'Artibonite. D'ailleurs, regardez-nous, il y a 50 000 hectares de terre, il y a 32 000 seulement qui a travaillé sur eux, il y a 15 000 hectares, mais avant son mobilisation de corps de génie à permettre nous gain de l'eau, nous gain route agricole. Puisque vous m'avez eu là, et vous déjà payé, faut augmenter les frais, pour que vous fait travail là. Au lieu que nous voulons faire des contrats avec des compagnies qui ont demandé 300, 400, 500, 600 millions de gouttes. Alors que, vous même, vous avez machine, vous déjà, c'est gaz, vous bayo. Donc, moi, je crois que je dis, il doit avoir cette volonté, au niveau des trois pouvoirs, également, au niveau maintenant des autres institutions, pour que juste nous faire mobilisation ça. Et qu'on est que, dans la situation que nous y a, nous avons besoin des forces qui ont mobilisé 24 sur 24, des jeunes officiers qui ont eux-mêmes là, eh bien, à côté de techniciens, yo, pour que le travail soit fait. Et nous pensons déjà, nous gagnons et personnel là qui là avec 175 soldats et officiers ça yo. Nous avons d'autres jeunes qui déjà à l'autre bord, hein, et non seulement en Équateur, mais qui au Chili, qui au Brésil, et nous gagnons possibilité pour nous former d'autres jeunes ici, puisque en pile jeunes qui parient pour aider pays au niveau ça. Ça doit être une volonté nationale. La question de la ministre Samba, c'est que c'est. Allô? 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 Bon, on a perdu contact avec sénateur Yuri Latortu, qui est lui-même été invité avec nous. C'est vrai, on a parlé de la fin, mais on a gagné de petites questions pour sénateur Yuri Latortu qui a essayé de rejoindre nous rapidement. Sénateur, oula? Oui, Guerrier. Oui. Et n'en après fini puisque il a déjà arrivé pour nous, mais un auditeur qui dit m'a demandé sénateur là, est-ce qu'il pas croit est-ce qu'il croit exécutif là a besoin demandé pour ministre aller là ne connaît présence force étrangère ça, c'est une garantie pour finissement mandat yo. Moi-même, moi, c'est différent. Pas quoi que force étrangère, c'est les garanties finissement mandat. Moi quoi que établir la confiance, organiser sécurité nationale là, c'est meilleure garantie et justement et qui pour et justement garantir stabilité en Haïti et pas faire mandat seulement, stabilité à long terme, c'est-à-dire trouver un pacte de gouvernance avec différents acteurs pour nous gérer pays là, et en même temps gagner une sécurité qui va permettre que n'importe qui pas qu'à venir déstabiliser pays là. Moi quoi c'est meilleure garantie, et dans ce sens il faut être combattre pour le renforcement des institutions nationales, parce que la démocratie elle est basée sur la force des institutions. Est-ce qu'on a un bon cours de cassation, un protecteur du citoyen, un parlement qui fonctionne, un exécutif et des institutions indépendantes et toutes les autres institutions, est-ce qu'ils sont fonctionnels, est-ce que le jeu démocratique là qu'a fait à l'intérieur des institutions, mais c'est toujours les institutions nationales. Tout autant que nos pays ou gagnent en force étrangère ou bien on gagne des institutions étrangères, eh bien, pays à lui-même, moi, qui a dit que c'est pas, il n'y a pas un fonctionnement normal. Il y a un fonctionnement normal. D'ailleurs, dans pile investisseur qui a venu, depuis autant de, que le ministre soit présent, il a dit, ah, rien, il y a un combat normal pour Isalva présent, République Dominicaine. Pour Isalva présent, Jamaïque. Pour Isalva présent, tu vois, c'est qu'il y a une anomalie. Donc, la présence de la ministre est une anomalie. Et c'est peut-être ça que, de courte durée, il faut pas installer, justement, je ne vois que le ministre a changé de nom, installé, et là-bas, en situation de dépendance continue, côté que moi, c'est pour moi ça que l'université.
Il est clair, nous dit la autorité ministérielle que jeudi il faut le renforcement de l'institution nationale et que jeudi il faut que Haïti ka prenne en charge eh bien situation parce que nous avons des autorités qui élus, nous avons des monde que population fait qu'élu qui là qui a légitimité et justement on police eh bien au fur et à mesure qu'a prend forme et nous-mêmes aide que nous avons besoin c'est aux bases de la MINUSA, justement, penser que tu as une coopération entre jusqu'à 15 octobre entre officiers qui étaient là yo, et formation de nouveaux officiers avec officiers haïtiens yo, pour que nous te voyons vraiment et aux préparations sorte de retraite qui préparait côté militaire t'as parlé le 15 octobre mais au militaire nous qui là t'as parlé prend charge basio côté eux-mêmes ils t'as inscrit dans une formation continue et en même temps t'as bon cadre légal qui t'as continué voter par le parlement là ça me pense que t'as bon transition au niveau national mais pour le moment parce que justement et la question revient aux autorités de prendre en charge leur responsabilité. D'accord. A gagné un jeune qui dit là gagné une brigade de renseignement parlementaire qui commission juste sécurité Sénat, a été voulu mettre sous pied, il a fait passer concours, il a fait formation pour nous, et puis il n'a pas jamais dit non rien encore. Brigade de renseignement parlementaire, là, c'était en initiative de commune justice, là, de sénateur Sénatus. Justement, moi, j'ai participé à la formation, puisque nous avons dispensé des cours à ces jeunes. Mais c'est en brigade qui était là pour aider la commission justice, là, au niveau de l'information, au niveau de l'enquête que l'a menée. Donc, vraiment, Je n'ai pas de détails, même qu'on est au départ, l'idée était correcte, et je n'ai pas participé dans la formation, puisque je demandais ma réponse. Maintenant, qui niveau nous y est avec dossier pour compléter la Cour de cassation et également protecteur citoyen? Et je crois qu'il y a plus d'une trentaine d'inscrits dans ces deux appels à personnalité, et la Commission de justice a rencontré avec différents monde qui étaient inscrits et je crois que dossier c'est dans la commission justice liée qui est pour le travail pour préparer un rapport pour soumettre à l'assemblée et des enquêtes de terrain des enquêtes de proximité qui a mené par rapport à Monio moi crois que bon calendrier qui débaille qui a mené peut-être nous dans le mois de juin pour le rapport là puisque je devrais faire des enquêtes je devrais prendre ça puisque c'est des institutions extrêmement importantes et c'est pas après pour que les barres cap soulever donc nous voyons commission de justice a un travail efficace que l'a fait dans ce sens là et n'attend que le présenter rapport là pour que l'assemblée puisse approuver et que nos cas ou bien changer barre la donne avant que nous transférer à l'exécutif ou la Cour de cassation puisque l'exécutif là l'a bien pour que lui-même lui choisit sur trois noms présentés par siège ou non. Et deuxièmement, au niveau du citoyen, il y a trois noms que deux chambres ont choisi et que le président républicain, le président chambre députée et le président sénat a choisi ou non dans trois ans. Au moins que le processus est en cours. D'accord. N'a juste pas ni fini pour nous lancer le processus de conseil supérieur du pouvoir, de conseil constitutionnel et également de conseil électoral permanent. D'accord. Et il y a une association professionnelle magistrale qui font qu'on l'aide tout l'ouvrir à la présidente de la République là, qui n'est pas guettant à lui, mais préoccupation yo venu le fait que yo dit que intégration directe dans la magistrature là, dans le niveau la Cour de cassation, li abrogé avec loi qui portait sous statut magistrature là, et jodi en là, législation sous magistrature là, et yo dit que c'est seul magistrat qui n'a cour d'appel, qui remplit conditions, c'est ça, selon la loi, qui qualifié pour nommer comme juge dans Pigou tribunal PIA. Est-ce que nous avons été touchés de préoccupations association professionnelle magistrale au sénateur de la Torche Ponfene? Moi, je crois que l'association immédiatement qui a une préoccupation et a écrit à la commission qui est le même qui travaille sur lui, qui a écrit à Sénat qui est même à transmettre lui à la commission et nous demander à ce que au niveau de Barreau à tout, il y a un accompagnement qui baille dans le sens que pour que yo ka là comme des observateurs. Moi, je crois que disposition qui prend, c'est que commission lit ouvert pour que yo tende toute suggestion parce que ce sont les maïs justement de la Cour suprême et que ça m'a dit justement pour que le travail là lit bien fait et que toute suggestion ça yo, moi, je crois que yo doit adresser premièrement au Sénat parce que c'est lui en premier lieu qui pourra le travail pour faire premier choix yo. Eh bien, yo tenu compte de yo
vérifier, garder exactement qui porte yo. Et à partir de ce moment, moi, quoi que ça a aidé dans le rapport là. Et yo qu'a écrit sénateur tout, puisque sénateur, en général, yo même, si yo qu'a bien pour voter, et si y a des rappels, si y a des remarques assez pertinentes, sénateur qu'a tenu compte lors du vote en assemblée. D'accord. Donc, c'est un processus ouvert. Moi, pense que je dis à l'extrêmement important que le débat a fait, que l'association yo, eh bien, yo soulevé des points, en rapport aux lois de novembre 2007, ça c'est des magistrats par rapport au décret sur l'organisation judiciaire de novembre, également de d'août 1987. Moi, je crois que c'est des débats assez intéressants et la commission doit en tenir compte. D'accord. Merci un peu, le sénateur Yuri Latortu. À moi de vous remercier. Le sénateur Yuri Latortu, président, c'est qui était invité dans l'espace Libre Opinion sans transition. Avant